Yo tout le monde, c'est Yaye, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la meilleure Mercedes de GT Online. Hier, je vous ai sorti une vidéo concernant la meilleure Audi. Vous avez vraiment kiffé, les gars. C'était concernant la Audi RS3. Avant-hier, je vous ai sorti la meilleure BM qui était tout simplement la M2 Compétition. Vous avez vraiment kiffé. Et là, on se trouve tout simplement pour la vidéo la meilleure Mercedes de GT Online. Bon, c'est parti, let's go. On va faire le petit saut, les gars. C'est parti, let's go! Je vais mourir, j'ai pas de parachute. Oh là là, j'avais pas de parachute, les gars. Ok, bon, c'est pas grave. Rip pour le saut. Je m'attendais à avoir un petit parachute et tout. Bon, on va appeler le mécano. Ici, tac. Mécano, je vais vous présenter. Hein. Je pense que pour les connaisseurs, vous l'avez bien remarqué au titre et à la miniature hein, de quoi je parle hein, comme Mercedes. Hein. C'est tout simplement celle-là. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent l'acheter, vous sortez votre petit téléphone, vous allez sur Internet, Legendary, vous allez sur la catégorie 3 portes, on descend un tout petit peu en bas. Et elle est où, elle est où? Elle est là, les gars. Elle est là au prix de 1 300 000 dollars. Franchement, pour une Mercedes, 1 300 000 dollars, ça vaut vraiment la peine. Hein. Voilà, c'est la Schlagen GT. Je l'ai pris en blanc, personnellement, je viens tous de l'acheter. Hein. Je l'ai pris en blanche, donc voilà. Elle est où, elle est où? Elle est là, les gars. Elle est là. Pour les connaisseurs, vous l'avez sûrement remarqué. C'est tout simplement la Mercedes AMG GT, les gars. Et oui, la Mercedes AMG GT. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas que cette Mercedes existe sur GTA. Bah voilà, les gars. N'hésitez pas à l'acheter via Legendary. Donc c'est parti, let's go. On va aller la custom. Avant tout, on va un petit peu la tester concernant sa vitesse et tout. Bien sûr, ce n'est pas un nouveau véhicule. Hein. C'est un véhicule qui date depuis 2019. Hein. Si je me trompe pas, il est sorti avec le DLC Casino, ce véhicule-là, ouais, avec le DLC Casino en 2019, le 12 décembre, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça, le 12 décembre, il est sorti ce DLC-là. Donc c'est parti, let's go, on passe par là tranquillement. Ah ouais, en plus, pour vous dire, hein, regardez, elle est pas custom et elle drift énormément. Regardez comment elle drift trop bien. Regardez, allez, c'est parti, let's go, regardez-moi, elle est même pas custom et elle drift trop trop bien, les gars. Waouh, regardez comment elle drift trop bien. Et dites-vous, elle n'est même pas encore custom là. Quand je vais la custom, ça va être encore mieux. Donc c'est parti, let's go. Si vous kiffez ce contenu de vidéo, les gars, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner, go les 17 000 abonnés. Bon, c'est parti, let's go. On va vite avec le blindage, le frein aussi. On va pas rester 2 heures. Ok, pare-choc. Qu'est-ce qu'on a comme pare-choc? Pas mal. J'aime bien les pare-chocs comme ça avec les petits côtés à droite, à gauche, là, ceux-là, les petits trucs là. Franchement, c'est vraiment stylé. Allez, on prend couleur 2. Tac. Ah ouais, franchement, pas mal. Couleur secondaire, ouais. L'intérieur. Ok, attendez, je me mets en première personne pour voir ce que ça donne. Ah, ça change même les sièges ou pas? Ouais, ça change les sièges. Je pense que... Ouais, on va prendre celui-là. Moteur niveau 4. Ça, c'est quoi ça? Pot d'échappement. Ah ouais, le pot d'échappement, il est là dans Mercedes AMG GT? Je savais pas. Ok, je pensais que c'était bah, comme dans tous les véhicules, la plupart. Ok, c'est là, je savais même pas. Ça, j'aime pas. Je trouve ça dégueulasse. Ça, il est pas mal. On va prendre celui-là, il est stylé. La calandre, la calandre. Ah ouais, la calandre qui est très importante dans une voiture. Ah ouais, le logo, wow. Il est stylé ce logo comme ça, hein. En noir. Mais on va prendre en couleur 2. Ouais, couleur 2. Le capot, le capot. Qu'est-ce qu'on a comme capot? Pas mal les capots, je trouve, hein. Ouais, pas mal. On va prendre celui-là, ouais. Klaxon, au mid celui. J'avais mis celui de San Andreas sur la RS3. On va prendre Liber City. Allez, Liber City pour la Mercedes. Éclairage au max. Je sais pas de quelle couleur je vais custom le. Bon les gars, ici on va pas toucher concernant la couleur de néon parce que je sais pas comment je vais le custom le véhicule, de quelle couleur et tout. Donc ça on va laisser pour après. Motif, nous avons 11 motifs. Ok. On a celui-là en rouge. Celui-là qu'on voit pas. What? Il est où? Ah oui, on voit un petit peu les gars. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est un motif blanc, donc c'est pour ça qu'on voit pas en fait. Si je change la couleur du véhicule, là on verra le motif, mais là on le voit pas. Ok, normal. Ok, il y a celui-là, celui-là. Ouais, ils sont pas ouf ceux-là. Hein.
En fait, ils sont bien, mais ça va pas avec le véhicule, vous voyez? Je pense qu'on va laisser sans motif, c'est mieux. Hein. Ça, c'est quoi? Ok, rétroviseur, on met comme ça. Plaque en blanc. Peinture, qu'est-ce qu'on a en peinture? Je pense, peinture PS5, ça peut rendre stylé. Les couleurs PS5. Ah ouais, ah oui, magnifique, les gars. What is this? Incroyable. Moi, j'ai des couleurs à 0$, je sais pas pourquoi, les gars. Ah, même en... Ah oui, allez, c'est mon direct, on prend comme ça, les gars. Ah ouais, là, j'ai kiffé direct, là. En vert comme ça, les gars, magnifique, rien à dire. Et je pense qu'on va mettre aussi vert bleu comme ça. Couleur finition, ça, c'est l'intérieur. Ok, bah, vert aussi, hein, je pense, hein. Vert, vert, vert. On se met comme ça pour voir que ça... tac. Ah, ce vert, vert lime, nickel. Ok. Le toit. Qu'est-ce qu'on a comme toit? On va prendre celui-là. Ne pas vendre. Bas de caisse. On prend celui-là. Aileron. Ah oui, d'accord. L'aileron, il est immense, les gars. Mais what? Oh. Ah ouais. Ah oui, comparé à ça, les gars. What? C'est des petits ailerons comparé à ça. Wow, on va prendre celui-là, les gars, juste pour le délire. Ça, c'est quoi? Non, on prend pas ça. Suspension. On baisse au max. Transmission. Turbo. Les jantes. Les jantes, les jantes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pam pam pam. Wow. Ah, ceux-là, ils sont stylés, mais je prends souvent ces jantes, donc on va éviter. Oh, ceux-là, ils sont pas mal. Ah, ceux-là, j'aime bien. Allez, on prend ceux-là. Couleur de jantes, bon, on met du vert, les gars. Hein, que ça soit bien sorti avec le véhicule, tu vois. Vert, 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 il est où le vert? Ok. Comme ça, les pneus au max. Comme ça, personne ne nous crève les pneus. Ok, ça c'était déjà custom bizarre. Vitre teintée. Ok, les gars, bon bah. Personnellement, je kiffe énormément la customisation. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je kiffe. 10 sur 10 sur le véhicule. La customisation, rien à dire. Il est magnifique. Hein. Mercedes AMG GT. Waouh. Et regardez comment maintenant il drift le véhicule. Hein. Regardez comment il drift trop facilement. Et je touche même pas le frein à main, les gars. Juste en train de drifter, hein, genre tourner le véhicule. Hein. Ah ouais, trop facile de drifter avec ce véhicule. Hein. Là, je fais que d'accélérer, je fais que d'accélérer, hein, les gars. Je fais que d'accélérer là. Ok, bon, là, c'est pas un peu en cacahuète, mais voilà. Très facile de drifter avec ce véhicule. Hein. Pour les rassemblements et tout, franchement, ce véhicule-là, il va vraiment bien. Pour un petit rassemblement et tout de véhicules IRL, incroyable. Roule trop vite, elle est trop rapide. Waouh, elle tombe bien, elle freine bien. Wow. Franchement, rien à dire. Hein. Et c'est une sportive, hein, regardez. Ouais, c'est une sportive en bas à droite. Hein. Franchement, rien à dire. En espérant que la vidéo vous a plu, les gars, concernant la customisation et de la présentation de cette Mercedes. Pour moi, c'est vraiment la meilleure Mercedes bah, de GT1. Hein. Donc voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à me donner des idées concernant quelle marque vous voulez que je custom. Hein. Peut-être la meilleure, je sais pas, la meilleure Toyota de GTA, ça serait vraiment pas mal. Je sais pas, n'importe quelle marque, et je serai là à vous faire une vidéo. Donc voilà, on se laisse sur ça. Allez, salut!